Hello! Aujourd'hui, je vais vous prouver que le Joker, joué par Joaquin Phoenix, est le prince de la Saint-Valentin de 2020. Prenons l'affiche du film. On voit des marches au premier plan. Puis des immeubles dans le fond. Et qui se situe au-dessus de ces marches? Le Joker. Les marches peuvent signifier les classes sociales et les différents niveaux hiérarchiques. Le Joker semble être au-dessus de tout ça et situé en haut de cette échelle sociale. De plus, il est mis au premier plan par rapport aux immeubles placés derrière lui. Cela peut être apparenté à un royaume, son royaume, le royaume du Joker. Selon l'affiche et mon analyse, le Joker peut être un roi, ou plutôt un prince. Joker égale prince. Mais ça n'est pas tout. Joker est composé de 5 lettres, tout comme Saint, Saint, de la Saint-Valentin, ou encore comme le cinquième jour de la semaine, vendredi. De plus, il est habillé en rouge, la couleur de l'amour. Ce qui est un énorme contraste par rapport aux autres éléments de l'affiche, qui sont en noir et en blanc, faisant du Joker une sorte de prince de l'amour. Mais ça n'est pas tout! Joaquin Phoenix est l'acteur qui joue le Joker. Son prénom et son nom sont composés de 14 lettres. Le film est sorti le 4 octobre. Octobre est le 10e mois de l'année. 4 plus 10 est égal à 14! Joker, deux syllabes. Le deuxième mois de l'année, je vous le donne en 1000, février. Joaquin Phoenix. Combien de zéros trouve-t-on dans Joaquin Phoenix? 2 zéros. Et pour octobre 4 ou 4 octobre, 2 zéros. Coïncidence? Je ne pense pas vraiment. 2, 0, 2, 0. Cela fait bien 2020. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi 14 février 2020? C'est la Saint-Valentin. Tout est lié. Le Joker est bien le prince de la Saint-Valentin. C'est tout pour moi. Ah, et si vous avez vu Birds of Prey, j'ai fait une petite théorie dessus. Alors allez la voir, c'est gratuit. Et en plus, elle parle du Joker.